Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, fidèles téléspectateurs de l'émission agricole Brave Paysan. Lors de son adresse à la nation, Son Excellence Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara a déclaré l'année 2024 année de la jeunesse jusqu'en 2025. Nous avons donc décidé de venir sur le terrain pour voir l'effectivité de cette promesse faite à la jeunesse. L'agence emploi jeune est à pied d'œuvre. Elle s'appuie sur des personnes expérimentées du secteur agricole pour encadrer et former notre jeunesse ivoirienne. C'est une réalité. Jeunesse de Côte d'Ivoire, l'avenir vous appartient. Vous devez assurer la relève de tous nos braves paysans et braves paysannes vieillissants. Ne décrochez surtout pas. Vous verrez ces jeunes passionnés d'agriculture sur ce centre incubateur. Suivez-moi. Bonjour Monsieur Quoi. Oui, bonjour partenaire. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Ben dis donc, on vous retrouve sur un espace nouveau parce que je n'avais pas encore visité celui-là. Oui. Pour rappel, on a fait plusieurs sites. Oui. Yamoussoukro, Azaguier et... rappelez-moi un peu, Benjerville, Mbroumé, Azaguier, Mbroumé. Et ainsi de suite. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes sur un nouveau site. Ouais. Vous nous présenter ce site-là, s'il vous plaît. Ok, merci partenaire. Bienvenue au centre d'incubation du groupe École des IAE à Azaguier, Mbroumé. Comme vous l'avez si bien dit, ça fait 13 ans que nous sommes en partenariat. L'université est basée à Azaguier. Donc vous comprenez que notre centre d'incubation ici est à Azaguier Mbroumé, où on fait la culture de la banane plantain, le manioc et aussi des fermes aussi. C'est toujours des moments de bonheur de vous retrouver pour parler d'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'insertion de la jeunesse ivoirienne. En début d'année 2024, le président de la République a réaffirmé que l'année 2024 est dédiée à la jeunesse jusqu'en 2025. Oui. Nous avons décidé de venir sur le terrain. Et vous qui êtes un pionnier au niveau de la formation, vous êtes un peu partout. Donc, qu'est-ce qui est fait réellement sur le terrain pour l'encadrement et l'insertion de la jeunesse ivoirienne? Merci. Comme vous le savez, depuis 2023, notre président, Son Excellence Alassane Ouattara, a décrété l'année de la jeunesse jusqu'en 2025. Eh bien, j'étais l'homme le plus heureux parce que nous avons créé l'école des entrepreneurs. Donc je pense qu'à partir de cette vision, nous avons travaillé depuis fort longtemps par rapport à l'insertion des jeunes parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi lié à la création d'entreprises et permettre aux jeunes qui sortent de nos écoles d'être directement opérationnels ou bien prêts à créer leur propre entreprise. Et donc je pense qu'en prenant cette décision, le président, il le sait qu'il va avoir des mesures d'accompagnement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le guichet unique, l'agence emploi jeune, qui gère tout ce projet-là. Et par la grâce de Dieu, nous sommes rentrés en partenariat. Je dirais que l'agence emploi jeune, nous sommes un partenaire naturel. Nous avons eu à travailler sur des différents projets. Donc depuis 2022, nous avons formé 90 jeunes en bateau chez moi dans le domaine, dans les métiers du bâtiment. À l'heure où je vous parle, je peux vous dire, madame, ces jeunes-là sont opérationnels, ils sont sur le terrain. Vous pouvez aller vérifier en bateau. D'ailleurs, merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. En 2022, nous avons aussi formé 100 jeunes à Zopé. On a fini la formation et nous avons eu la chance aussi de gérer le centre d'incubation de l'AIJ. Nous avons formé 45 jeunes. Donc ceux-là aussi, ils seront opérationnels. Et sans compter les étudiants de 2IAE, ils ont fini leur formation. Voici des jeunes qui ont été incubés, formés. Qu'est-ce qu'ils attendent maintenant? Ils attendent le financement, l'accompagnement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et nous sommes prêts à accompagner aussi le gouvernement dans ce sens-là pour encadrer, faire le suivi de ces jeunes-là pour qu'ils soient insérés. Parce que, écoutez, le prêt qu'on va leur donner, il faut rembourser. Donc, nous nous positionnons comme on va les guider à pouvoir honorer leur engagement. Très bien. Donc, vous êtes le père de l'entrepreneuriat dans le secteur agricole et vous avez parlé d'accompagner le gouvernement.
Je pense que vous accompagnez déjà le gouvernement parce que vous travaillez avec l'agence Emploi Jeune. Ouais. Donc l'agence Emploi Jeune, quel est vraiment l'impact sur le terrain? C'est-à-dire comment elle vous a pu, comment les jeunes sont orientés vers vous, quels sont les critères de formation et d'encadrement de la jeunesse ivoirienne intéressée à s'orienter vers le secteur agricole? Oui, je pense que comme vous l'avez si bien dit, avec l'agence Emploi Jeune, nous avons des conventions de partenariat. Nous, on commence d'abord par l'écoute. Donc l'agence nous envoie des jeunes. Et nous, on écoute ces jeunes. Est-ce qu'ils sont disposés à faire de l'entrepreneuriat agricole ou faire de l'élevage? Une fois que c'est validé, le financement est mis en place pour financer la formation. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie consistera maintenant à monter des projets parce qu'au cours de la formation, on fait le plan d'affaires, le business plan, le plan d'affaires. Et maintenant, quand on a fini, les jeunes vont soumettre maintenant leurs projets. Et l'agence va analyser avec, bien entendu, des microfinances qui vont financer ces jeunes-là. Nous sommes à ce stade-là en ce moment. Vous avez combien de jeunes aujourd'hui que vous avez formés? Ou bien qui sont en train d'être formés, qui seront prêts à voler de leurs propres ailes, comme on le dit? Bon, si on prend au niveau de notre structure, en moyenne, nous avons, en deuxième année, nous avons en moyenne 600 jeunes qui sortent de circuit. En première année, nous avons au moins 400. Donc, au bas mot, par année, on tourne autour de 1000 étudiants que nous formons qui sortent du circuit. Mais d'autres vont s'installer ou bien vont travailler dans les entreprises privées, publiques, et d'autres s'installent à leur propre compte. D'ailleurs, notre enquête de satisfaction a montré que 53% de nos étudiants sont insérés dans le tissu économique et 13% au niveau de l'entrepreneuriat civil, c'est 66%. On compte monter jusqu'à 80-90% dans les années à venir. Mais je pense, comme je le dis là, si le financement est disponible, il n'y a pas de raison que ces jeunes-là ne réussissent pas. En termes de nombre, pour cette année simplement, avec l'agence Emploi Jeunes, nous avons eu à travailler sur 145 jeunes. Et donc nous sommes en 2024, donc je sollicite encore peut-être cette année peut-être 300 jeunes. Maintenant, quand on a fini, effectivement, c'est pas tout le monde qu'on va financer parce qu'il faudrait que les jeunes montrent leurs capacités. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai fait appel à certains jeunes, mais ce n'est pas du tout qui sont arrivés. Donc, on veut voir ceux qui sont endurants, parce qu'il ne faut pas donner l'argent, et puis après, bon, si on n'arrive pas à rembourser, c'est tout un problème. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous allons pouvoir voir certains jeunes, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, vous allez voir sur le terrain des jeunes, en tout cas, qui ont fini, qui sont installés, donc ils ont besoin d'être accompagnés, renforcer leur dispositif. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ceux qui sont passés dans le centre d'incubation, ils ont fini, l'agence doit pouvoir les accompagner. Ceux de notre institut aussi qui ont fini, qui ont un projet, ils doivent pouvoir les accompagner. On a des ex-migrants qu'on a eu à former avec l'OIM et aujourd'hui qui sont en activité aussi dans ce programme-là, donc il faut pouvoir renforcer leur activité. Donc voici, il y a trois catégories. Excusez-nous de vous poser ces questions-là. Vous n'êtes pas directement concerné par nos questions, mais comme nous n'avons pas quelqu'un de l'agence Emploi Jeune aujourd'hui, sur le site, nous sommes obligé de vous poser ces questions parce que vous êtes partenaire avec l'agence Emploi Jeune. Ouais. Quand vous dites que vous êtes en attente de financement, alors que vous avez un partenaire qui en principe dispose de financements pour accompagner ou agrandir les espaces de ces jeunes-là que vous avez formés. Oui, à ce niveau-là, je pense qu'il faut soumettre des projets. C'est vrai que l'agence ne va pas venir comme ça pour dire « bon, on va financer tel jeune ». Donc, il faut soumettre des projets. Et à ce niveau-là, je pense que nous avons constitué un consortium, voilà, avec AVA, qui depuis 15 ans est dans ce domaine-là. Et le groupe École des IA, qui est au niveau de l'entrepreneuriat jeunesse, nous avons soumis un projet. Donc, on attend. Et je pense que ce projet-là, ça consiste à financer 250 jeunes. Ça consistera pour nous d'encadrer, faire le suivi. Et vous, AVA, c'est de montrer les activités menées par l'agence, parce que l'agence travaille. Mais ce qu'on a constaté, peut-être qu'on ne voit pas trop, il n'y a pas de visibilité. Donc le faisant, résultat attendu, c'est pour qu'on voit réellement ce que l'agence a fait. Et moi, je confirme que l'AEJ fait beaucoup pour la jeunesse ivoirienne. Mais ces 250-là, cette fois-ci, ça sera encadré par
Monsieur Kouah lui-même, l'entrepreneuriat par l'action et non le verbe pratico-pratique. Et là, c'est un défi que je lance aussi à ce niveau-là. Quand on nous donne les moyens, on va voir que ces jeunes-là seront installés et ils vont participer au développement économique de la Côte d'Ivoire. Monsieur Kouah, sur ce site, qu'est-ce que nous trouvons exactement? Okay. Quelles sont les cultures qui sont pratiquées ici? Merci. Nous avons un site qui a une contenance de près de 2 hectares. Et ici, il y a la banane plantain comme culture. Il y a aussi le manioc, il y a le gombo ici. Mais je vous ai parlé des centres d'incubation. Nous avons un autre centre d'incubation à Yamsoukro. Et à Yamsoukro, c'est l'oignon, tomate, les concombres et aussi les poivres. Ils font la théorie, ils font la pratique. Ils sont prêts à s'installer. Et le président dit cette année la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est quoi? C'est quand tous les hommes sur la terre ont à manger et de façon abondante, saine et convenable. Donc les jeunes sont à pied d'œuvre en ce moment. On peut les voir, on peut les interroger. Oui, ouais, tout à l'heure, vous allez les voir. Bon, madame Jennifer, ça c'est pour vous. Bon, la souveraineté alimentaire, ça passe pas là, dans notre centre d'incubation. Voilà. Waouh. Ça c'est pour vous. C'est de la banane bio. Hein. C'est bio. Voilà. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Donc je vais parler avec votre porte-parole, si vous permettez. Valide. Comment vous appelez? Monsieur Traoré Kassim. Je suis un apprenant de l'AEJ au niveau d'Alzopé. Nous avons été formés par l'école des IAE. Nous sommes au nombre de 100 personnes, 50 en production végétale et 50 en production animale. Vous êtes déjà installé? Pour le moment, on n'est pas installé. On a déjà nos projets que nous avons en main. Pour dire à quelqu'un de venir t'aider à porter ton bagage, il faut que toi-même tu le soulèves jusqu'au genou. Voilà, donc pour cela, nous avons déjà commencé des petites activités au niveau de l'agriculture et au niveau de l'élevage. Mais nous avons franchement besoin d'accompagnement. D'accord, pour agrandir. Pour agrandir sinon, les choses. Vous avez déjà commencé. Oui, 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 oui. D'accord, donc vous avez déjà chiffré, vous avez des business plans chacun. Chaque. Avec son projet. Tout. D'accord, je vais prendre 3 projets. Ok. Quels sont les projets sur lesquels vous avez tablé après votre formation? Ok, d'abord, nous avons établi des projets sur la production du piment, vu que c'est quelque chose qui est un peu rare sur le marché et la demande est forte. Et nous avons été formés pour cela et on essaye de faire un business plan que nous avons tous à notre niveau ici. Voilà, on a les documents qui sont là et on a le savoir aussi qui est là. D'accord. Voilà. Parce que c'est pas long, comment vous appelez, long cycle. Non, non, non. Donc au bout de 3 mois, 4 mois, vous pouvez déjà récolter. Oui, 3 à 4 mois. Et vous avez déjà des acheteurs disponibles? Et oui, on a fait déjà l'étude du marché. D'accord. Voilà, parce que pour se lancer dans un business, il faut d'abord faire l'étude du marché. D'accord. Voilà, connaître vraiment qu'est-ce qu'on fait, où il faut évacuer, parce qu'il ne faut pas vraiment faire pour faire. On a déjà les sites, le matériel, on a quelques matériels. Donc, on a vraiment besoin voilà, du financement. D'accord. Donc, c'est le financement le seul problème. Parce qu'après, quand on vous donne le financement, pour certains témoignages, les jeunes ne sont pas outillés, ils n'arrivent plus à rembourser. Donc, ça fait que ceux qui vous donnent le financement sont un peu découragés. Donc, quel message fort, c'est-à-dire que vous allez lancer aujourd'hui pour dire que vous faites la différence? Désiré, toujours. Désiré, toujours. Il faut dire qu'à Désiré, c'est du pratico-pratique parce qu'on ajoute vraiment la formation et aux pratiques. Donc, ça fait que nous sommes vraiment outillés. Donc, de façon pratique, combien peut coûter l'installation d'un jeune pour faire la culture du piment? Pour une superficie d'un hectare, il faut au moins 1 500 000 à 2 millions pour la culture moderne. Avant la formation, bon, on a fait des études, mais en tout cas, on était à la recherche d'un repère. Et on a vu que quand c'est, l'année a été décrétée comme l'année de la jeunesse, on s'inscrit sur le site de l'emploi jeune et on nous a envoyé comme du côté production animale. Et c'est ce qu'on avait choisi parce qu'on sait que ce métier est un métier qui nourrit son homme. Nous remercions le gouvernement de la Côte d'Ivoire, nous remercions le président de la République de Côte d'Ivoire, nous remercions aussi le ministre de la jeunesse. Et qui a eu confiance en nous et de venir nous former et créer un site où on bénéficiait de tout. Nos soins de santé,
La nourriture, on ne payait rien. Et nous sommes restés ici pratiquement plus de 2 mois, on n'a rien dépensé et on avait des primes. C'est-à-dire qu'on était à l'aise ici. Et en tout cas, nous remercions encore l'école qui nous ont pris pour la formation. Notre équipe s'est également rendue à Yamoussoukro, précisément à Assaou, sur un site de production de maraîchers, notamment de l'oignon, du poivron, de la tomate, du piment, du haricot vert, etc. Nous sommes constitués en plusieurs groupes. Pour moi, mon groupe, nous sommes basés sur la culture de l'oignon. Effectivement, nous avons un projet que nous voulons mettre en place, qui est la culture de l'haricot. L'haricot vert. Nous avons choisi cette culture parce que nous constatons aujourd'hui sur le marché que cette culture est en manque. Donc nous voulons faire cela notre projet pour pouvoir booster l'autosuffisance alimentaire. Avec un formateur de la trempe de M. Dongo, les étudiants ne pouvaient que produire ces beaux plants. Vous avez récolté de jolis fruits de tomates. Néanmoins, il y a une observation que je voulais faire. Ici, c'est un système d'irrigation par laser spray, mais en même temps, ça n'arrive pas à certains endroits. Donc, vous prenez l'arrosoir pour équilibrer vraiment l'arrosage au niveau des plants. Donc, quand il fait chaud, il ne faut pas arroser. Parce que quand vous arrosez, la chaleur qui va se dégager va noircir le bas du fruit. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une attaque, mais c'est la chaleur qui noircit le fruit à ce niveau-là. Sous la supervision et les conseils avisés de M. Dongo, ces étudiants bien formés ne souhaitent qu'une chose, disposer de financement pour s'installer et produire en grande quantité. Nous demandons de l'aide au gouvernement, à l'AEJ de nous venir en aide pour pouvoir nous installer sur nos différents sites. Nous avons 70 hectares ici. À Dalwa aussi, nous avons des parcelles aussi également. Mais si nous n'avons pas de l'aide du financement au sein du gouvernement, nous ne pouvons pas produire cela. Nous avons la maîtrise de la commercialisation ici. Avec peu de moyens, mais vous remarquez, nous avons pu réaliser notre culture du poivron. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide pour encore booster la culture afin de viser l'autosuffisance. De retour à Azagué, nous nous sommes rendus dans le champ de manioc mis en place par ces braves étudiants. Bonjour, bonjour. Bonjour, madame. Jamo, madame. Jamo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Sekongo, Kele Dianworo, Gweli Zaïla. Regardez la caméra, toute la Côte d'Ivoire vous regarde, vous allez parler fort. D'accord. Je suis Sekongo, Kele Dianworo, Gweli Zaïla. Alors, sur ce site-là, vous faites quoi exactement? Quelle est la formation? Parce que vous êtes plus ou moins le porte-parole de vos frères et sœurs ici. Comment vous êtes formés? Comment vous êtes encadrés? D'accord. La formation ici, il y a la formation théorique et puis la formation pratique. Nous sommes formés pour être des techniciens supérieurs, c'est-à-dire gérer des exploitations agricoles. Et dans notre formation, on apprend à faire toutes les cultures tropicales, que ce soit les cultures industrielles, les cultures vivrières, les cultures maraîchères, l'irrigation et les autres métiers aussi qui entrent dans l'agriculture, à savoir la fertilisation, l'irrigation et tout ça. Voilà. Très bien. Et ça fait combien de temps que vous êtes sur ce site? Ça fait un an, six mois. Un an, 6 mois. Et vous êtes environ combien d'élèves en formation ici? Nous sommes ici une quinzaine. Vous avez une unité de transformation à l'école pour faire la tiéké et le plakali. Et le plakali. Et vous commercialisez localement? Oui, oui. À Azagué, à Abidjan. Azagué, avec l'aide du groupe école de ZAE. Très bien. En tout cas, nous vous encourageons à persévérer dans l'effort. Alors, vous avez été bien formée, bien encadrée. Donc, vous êtes prête. Vous pouvez aujourd'hui avoir votre exploitation. Qu'est-ce que vous attendez pour avoir votre exploitation? D'accord. J'ai terminé la formation. J'ai un BTS en agriculture, plus une formation en entrepreneuriat grâce à l'école. Et actuellement, ce qui nous manque, c'est le financement. Donc, je profite de la voie que vous m'offrez pour faire un appel à l'agence emploi jeune. Nous sommes des jeunes, nous sommes dynamiques, nous avons la formation, nous sommes travailleurs. Donc nous demandons des financements pour pouvoir développer la filière agricole, pour pouvoir employer aussi nos frères qui ont le BTS, qui sortent à peine de l'école ou bien qui sont en formation pour avoir des débouchés demain. Mmh.
Bonjour madame. Bonjour monsieur Oussou Kofi, comment allez-vous? Je vais très bien. Ça va bien? Oui, ça va. Vous avez déjà été formé ou vous êtes en cours de formation? Bon, je suis étudiant en deuxième année, voilà, dans la filière agriculture tropicale, option végétale. D'accord. Donc ma formation va prendre bientôt fin. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, plus précisément, moi, mon projet c'est plus pour les cultures maraîchères, ce genre le gombo, l'aubergine et autres. Et pourquoi vous avez choisi les cultures maraîchères? Les cultures maraîchères, on voit qu'on a tout le temps besoin de ça. Lorsqu'il y a manque, on sent ça directement. Donc pourquoi ne pas combler ce vide-là en étant peut-être un grand producteur en Côte d'Ivoire et pourquoi même pas dans l'Afrique de l'Ouest? Très bien. Donc vous avez l'agence emploi jeune que le gouvernement a mis en place pour encadrer les jeunes Ivoiriens qui veulent entreprendre des activités génératrices de revenus. Vous les avez en face de vous. Quel message souhaiteriez-vous passer? Le message que j'aimerais passer, c'est que les jeunes comme nous, ils ont beaucoup de projets. Ils ont beaucoup de projets. Ce n'est pas les projets qui manquent, mais c'est le financement. Et avec la venue de cette organisation, on va parler de notre projet. Et si ce projet-là est bien, on espère qu'on sera financé. Et grâce à ce financement, on pourra lancer notre projet. Et je peux dire que si j'ai eu ce financement, par exemple, je serai apte à remplir les conditions de remboursement si j'ai eu ce projet-là. Ce sont des jeunes motivés et dynamiques à l'image de Dagri Jaurès qui attendent impatiemment d'être autonomes à travers le financement de leur installation. Je lance un appel à l'AEJ qui est là pour soutenir nous, les jeunes ivoiriens qui avons besoin de financement pour pouvoir subvenir aussi à nos besoins et aider aussi le gouvernement à nourrir la population. Nous avons la technique, l'expertise, l'expérience, nous avons tout en fait. Regardez autour de nous, nous avons notre parcelle, nous avons tout pour exploiter, mais nous avons besoin uniquement des financements. C'est les financements qui nous manquent, donc nous avons besoin de ça pour pouvoir produire. L'agence emploi jeune est au service de toute la jeunesse ivoirienne, quel que soit ton handicap, quel que soit ton souci. Mais il faudrait que tu sois quelqu'un qui soit capable de pouvoir rembourser lorsque l'agence emploi jeune te fera un prêt. Alors, chers frères et sœurs handicapés, saisissons le moment et montrons aux yeux du monde que même dans l'agriculture, nous avons notre place et même aussi dans la société, nous avons notre place. Nous avons interrogé ces jeunes qui ont été formés et encadrés par vous. Nous avons vu la détermination et nous pouvons confirmer que ces jeunes-là sont prêts, ont compris le sens même de l'entrepreneuriat. Parce que je pense qu'au niveau du gouvernement, il y avait ce doute-là. Il y a des jeunes à qui l'agence emploi jeune a fait confiance et malheureusement n'ont pas porté le projet jusqu'à terme. Donc il y avait un petit découragement à quelques niveaux, mais je pense que vous êtes venu rétablir tout cela en apportant cet encadrement et cette formation-là qui manquait à la base. Félicitations pour cela. Et nous sommes presque au terme de notre émission du jour. Avez-vous un dernier mot? Ok, merci madame. Je dirais simplement que quand on parle de centre d'incubation, pour qu'un centre d'incubation soit opérationnel, il y a quatre éléments fondamentaux. Il y a l'hébergement qui peut être physique ou virtuel, avoir un bureau. Il y a un programme de formation. Il y a des mentors ou des coachs. Et enfin, le financement. Je suis heureux parce que le groupe École des IAE, l'école des entrepreneurs, a des centres d'incubation opérationnels. Donc, il reste le financement. Donc, je pense que ce que vous avez dit, l'agence a raison. C'est vrai, c'est un jeu, c'est pas tout le monde. Heureusement que c'est pas tout le monde. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est le suivi, l'encadrement. Et c'est ce que nous positionnons en tant qu'école des entrepreneurs. Nous garantissons que si ces jeunes sont financés, il n'y a pas de raison qu'ils ne remboursent pas leurs prêts. Et pour terminer, je voulais dire grand merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. Merci au président de la République. Nous pensons que l'école des entrepreneurs, nous avons formé des milliers de jeunes. Aujourd'hui, ils sont aptes à produire et pour participer à la souveraineté alimentaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes au thème de nos 26 minutes. Félicitations aux fondateurs du groupe École des IAE, l'école des entrepreneurs. Vous l'avez constaté, vous avez vu ces jeunes en train d'être formés dans de très bonnes conditions, appuyés par l'agence Emploi Jeunes. Nous encourageons le gouvernement ivoirien à continuer à encadrer et à accompagner tous ces acteurs au développement, notamment au niveau de l'encadrement
l'encadrement de notre jeunesse. Vous le savez, seule une jeunesse désœuvrée, ça donne à des activités belliqueuses. Nous encourageons donc tous les bailleurs à soutenir ce genre d'initiative. Rendez-vous très prochainement. Pour vos avis et suggestions, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive notre sublime Côte d'Ivoire. Pour d'autres rendez-vous sublimes, à très vite.